Notre planète est au point critique. Pas de panique. Pas de panique. La race humaine est devenue geek. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de R2R, la taverne des geeks, une émission geek de 18h à 19h le mardi, une semaine sur deux. Et je ne suis pas tout seul pour cette première émission, je suis avec Clément. Bonjour. Donc qui va s'occuper avec moi de l'animation de cette émission pour l'instant, parce qu'on a pas encore d'autres chroniqueurs, on va avoir des chroniqueurs tout au fil de l'année. Sur les différents thèmes geek, donc ça va être jeux de rôle, jeux de société, jeux vidéo, YouTube et d'autres éléments particuliers qui existent en tout cas sur la vie YouTube, etc. Donc plein d'éléments que les geeks aiment et apprécient particulièrement. Et justement, on va commencer par une petite explication de ce que c'est que cette émission. Donc on va parler de tous les domaines geek, que ce soit, donc j'ai dit jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société, tout ce qui est aussi YouTube. D'ailleurs, en parlant de YouTube, on va parler un petit peu du sommaire de l'émission. Alors, on aura justement une partie comics avec Clément qui nous parlera de quoi exactement ? Je vais vous parler de ce qu'est le comics, de l'actualité plus ou moins récente, pour tenter d'éclaircir un peu tout ça, car des fois c'est assez compliqué de tout comprendre de l'environnement du comics. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments particuliers sur le comics, et surtout en ce moment où il y a beaucoup d'éléments particuliers, c'est ça ? Ouais, il y a de grosses nouvelles, que ça soit adaptation de comics ou le comics même. D'accord, donc on va bien en parler, je pense qu'on va avoir du temps pour en parler. Et puis on aura aussi une partie jeu de rôle, payée par moi-même, où on parlera notamment de Silver Dragon, la convention qui s'est déroulée il y a quelques jours à Merville-Franceville, donc dans le Calvados. Où justement, il y a eu beaucoup de Rouennais qui sont venus au sein des rôlistes rouennais. Et on va parler un petit peu de ce qui s'est passé, en tout cas, on va faire une petite récréative de ce qui s'est passé. Et on va expliquer un petit peu ce que c'est que le jeu de rôle pour celui qui est néophyte. Voilà, on va essayer d'expliquer ce que c'est que le jeu de rôle pour le néophyte. Et puis, on aura une partie YouTube qui sera notamment faite pour une interview d'un YouTuber. Et il s'agit d'un YouTuber assez connu, en tout cas au niveau de Rouen. Il s'agit de Baltou, le fondateur de la Guilde. La Guilde étant une communauté de YouTubers, jeunes YouTubers, permettant de se faire connaître. Voilà. Donc je pense on a fait à peu près le tour, je pense. Et puis on va commencer par vous mettre une petite musique. On va vous mettre une musique de l'album Gyatuken Myth Orchestra, excusez-moi, sorti en 2008. C'est en rapport avec Phoenix Wright Ace Attorney. Vous connaissez un petit peu la série des jeux. Et justement, c'est ça qu'on va voir pendant cette émission. On va voir que des émissions, que des musiques geek. Donc c'est-à-dire des OST, des remixes 8 bits, du remix metal. Et on va commencer tout de suite par un remix orchestral de Gyatuken Myth Orchestra 2008, Mage Edgeworth Revival. Thank you.
Katuken Meets Orchestra 2008, Miles Edwards Great, Great Revival, excusez-moi. Et nous sommes toujours sur la Taverne des Geeks sur 101.3 FM et radio-r2r.fr. Alors, justement, je vous expliquais un petit truc que j'ai oublié pendant la présentation de l'émission. Et bon, ça peut arriver, hein, c'est la première, c'est toujours un peu de stress, toujours un peu de stress accumulé par l'avenir, etc., des trucs comme ça. Donc, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Vous pouvez participer à l'émission par Twitter, parce que j'ai trouvé que Twitter, c'est quand même un bon moyen pour communiquer. Et pour me contacter, vous avez mon hashtag Twitter qui est TDG, excusez-moi, et aussi mon pseudo Twitter qui est @AlexisTGF. Je répète, @AlexisTGF. Vous m'envoyez un message, je vais essayer de répondre aussi rapidement que possible au niveau des différents sujets sur lesquels je traite sur l'émission. Et si vous avez quelconque information à me donner, ou alors des informations complémentaires à donner au niveau de des remarques, etc., il n'y a pas de souci, on les passera à l'antenne. Voilà. Et puis voilà, je pense qu'on va avoir fait le tour. Et donc on va commencer par la petite intro pour monsieur Clément qui va nous parler de comics. Est-ce que tu reconnais la musique, toi? Oh bah oui, bien sûr. C'est difficile à connaître, hein. C'est un remix 8 bits, hein, pour ceux qui se demandent ce que c'est. Et donc en fait, il s'agit de Batman. Ouais. Puisque toi, t'es spécialiste de comics. Et justement, ce qu'on va se demander, c'est justement qu'est-ce que c'est que les comics, à quoi ça sert, plutôt à quoi ça sert, ou plutôt quelles sont les grandes avancées du comics, etc. Donc tu vas pouvoir nous en parler pendant cette chronique. Je peux. Il n'y a pas de souci. Alors, donc le comics, c'est vraiment un terme typiquement, on va dire, américain. C'est bien pour ça qu'on dit en fait que le comics, c'est de la BD américaine. Donc en gros, l'équivalent français, ça serait la BD franco-belge. Ou si on veut prendre l'exemple du Japon, ça serait les mangas. Donc en fait, c'est comme si c'était les mangas, mais en version américaine, quoi. Il y a beaucoup de... Ouais, enfin... Il y a quand même des chartes graphiques différentes, je crois. Ouais, quand même, ouais. Bah déjà, c'est en couleur. C'est en couleur, déjà. Donc il y a quand même une grosse différence. Donc aujourd'hui, bah, c'est simple, aux États-Unis, il y a deux grosses maisons d'édition, DC Comics, qu'on surnomme la distinguée concurrence, et Marvel, la maison des idées. Donc DC Comics a été créé en 1935, et Marvel a été créé en 1939. Donc c'est en 1930, c'est juste après, juste avant la Deuxième Guerre mondiale en fait. Exactement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de références, je crois, dans... Bah, par exemple, tu as Captain America qui a été créé en plein pendant la guerre. Donc, le Patriot, Captain America. Exactement, ouais. Donc DC Comics a eu, à partir des années 90, a commencé à créer certaines filiales. Donc notamment Vertigo et Wildstorm, chacun ayant leur type de comics défini, donc par exemple plus fantastique, science-fiction. Donc par exemple chez DC Comics, comme dans Marvel, vous avez des icônes, des super-héros qu'on peut identifier facilement. Donc par exemple, bah, pour DC Comics, vous avez Batman, Superman, Wonder Woman, et pour Marvel, vous avez Captain America, Iron Man, Hulk, etc. D'ailleurs, Marvel, je crois qu'il y a beaucoup plus de super-héros que justement au niveau de DC. Au DC, il y a peut-être 2-3 super-héros qui sont hyper connus, notamment Batman. Ouais, mais après, je pense que c'est une question de point de vue. Bah, disons que c'est pas évident. Ouais. C'est vrai qu'il y a certains super-héros qu'on connaît plus d'autres du fait des adaptations cinématographiques, des adaptations à la télévision. Mais ouais. Et en dessin animé, exactement. Et en dessin animé également. Ouais, exactement, ouais. Donc, au niveau de l'actualité récente des deux maisons d'édition, donc il y a maintenant un an de cela, quasiment jour pour jour, DC Comics a décidé de relancer ses titres à zéro. Et quand je dis à zéro, c'est vraiment un reboot, hein, c'est ça ? C'est un reboot, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il y a certains numéros, notamment Batman, qui étaient au-delà des 600 numéros. Ils ont décidé de remettre à partir du numéro 1, à partir de septembre 2011. Seulement, le reboot n'incluait pas seulement changer le numéro, ils ont aussi rebooté toutes les origines. Enfin, les origines, je pourrais en parler plus brièvement tout à l'heure, mais ils ont décidé de rebooter les histoires, même si c'est assez discutable.
Et d'un côté, Marvel a annoncé il y a quelques mois un événement qu'ils ont nommé Marvel No. Et en fait, ils vont jouer un peu sur... ils vont essayer de concurrencer davantage DC. En fait, ils ont décidé de eux aussi renumérer leur numéro à zéro. Sauf qu'ils vont pas rebooter en fait les origines. En fait, c'est vraiment un coup commercial. D'accord. Donc en fait, c'est juste pour dire on est meilleur que l'autre. Ouais, exactement. Parce que j'ai envie de dire un mot vulgaire, mais non. Parce que on peut dire ce que l'on veut sur le reboot de DC, donc qui s'appelait The New 52. Ça a quand même été un gros succès commercial. Ça a été un succès commercial, donc c'est clair que Marvel, pour essayer de ravoir des parts de marché, essayer de concurrencer davantage DC, va essayer de faire un coup, c'est clair. Mais je crois qu'il y en a un qui a plus de gouvernement, j'ai entendu parler de ça il y a peu de temps. Plus de gouvernement. J'ai entendu qu'il y avait un truc avec plus de gouvernement dans un des deux. Ouais, mais c'est du spoil. J'ai lu ça. C'est pas encore en France. Et là, c'est actuellement aux États-Unis. Ah, d'accord. Mais je vais éviter de spoiler parce que j'ai lu encore des spoils et c'est assez énorme. D'accord. Mais bon, sinon, peut-être que je peux donner mon avis vite fait sur le reboot. Sur le reboot de Batman et de. Pas forcément. De Batman, les titres que j'ai lus, mais je peux dire mon avis général, quoi. Pas de souci. Donc globalement, je suis assez partagé. Disons que, pour faire simple, d'après ce que j'ai lu sur Internet et mon avis à moi, il y a des gros titres qui sont une énorme réussite en niveau scénaristique, mais il y en a d'autres, c'est très décevant. Donc par exemple, pour vraiment la réussite scénaristique de DC, du reboot, t'as clairement deux titres, Batman, c'est une claque, et Batman et Robin. Et tu as aussi, par exemple, c'est moins connu, tu as Green Lantern. Green Lantern, ouais, c'est... Green Lantern, mais en fait... C'est pas très connu, Green Lantern. C'est, bah, en c'est France, l'un des moins connus de En France, de DC. Non, pas tellement. Et en fait, Green Lantern, c'est pas du tout un reboot, en fait. Ils font passer ça pour un reboot, mais en fait, c'est vrai. Ils ont gardé la continuité, en fait... De l'histoire originale, ouais, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, pour la grande question qui se posait avec le reboot, c'était est-ce que... Quel repère ils allaient prendre, en fait, entre le d'écart entre le début de l'histoire en termes d'années. Ah oui, parce que ça dépend après, vu qu'ils veulent faire un reboot, j'imagine que toute l'histoire a été repensée pour que ce soit plus compréhensible si ou veut. Alors plus différente, en fait, de l'origine qu'on a connue sur les différents comics, quoi. Bah, en fait, ils ont pas, par exemple, pour Batman, ils ont pas franchement changé les origines. En fait, il y a eu une certaine polémique sur les sites spécialisés de comics. DC a dit qu'il y avait en gros une durée de 5 ans, de 5 à 6 ans. Ah oui, c'est quand même donc peu. Tu prenais peu, par fait. Exemple pour Batman, c'était supposé qu'il y ait eu 4 Robins sur un espace de 5 ans. Donc ça posait problème, en fait. Ouais, j'imagine, oui. Et en fait, d'après ce que j'ai pu lire, ils ont trouvé une petite astuce qui est discutable. En gros, Red Robin, qui n'est pas forcément hyper connu en France, eh ben, en fait, il n'aurait jamais été avant Damian Wayne, donc le fils de Bruce Wayne qui est actuellement Robin. D'accord. Donc il n'aurait jamais été Robin. En fait, il se serait nommé Red Robin. Ouais, je vois la chose. Tu vois enfin, j'ai peut-être mal expliqué, non. Mais... Non, mais le problème, c'est que moi, j'ai un peu moins de culture ouais, comics c'est pas, que certains. C'est pas évident. Et c'est vrai que ça peut être pas évident pour un néophyte comme moi qui et connaît donc, pas trop ce que c'est. Et donc, pour DC, encore une fois, il y a quand même eu de la grosse purge au niveau du reboot, notamment Superman. Alors, des grosses purges. Superman, il se purge. Bah, faut dire que le titre. Il y a plus de slip, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça. C'est le titre. Parce que le slip, quand même, c'est le titre de Superman, quoi. Le titre est foireux, quoi. C'est niveau scénario, c'est horrible. Niveau texte, c'est horrible. C'est vraiment. C'est du gâchis, en fait. Pourquoi ils ont fait des bêtises ? Ils ont fait un scénario inintéressant. Et en fait, donc la première équipe créative. Pourtant, Superman, c'est facile. Normalement, tu dis qu'il vient de Krypton. Non, non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, le personnage de Superman, tu as deux titres. Tu as Action Comics et le titre Superman. Action Comics, tu as Morrison.
Donc Morrison, c'est quand même l'un des gros scénaristes de DC Comics. D'accord. Qui a notamment revu aussi les qui a notamment participé aux personnages de Batman, de Robin, etc. D'accord. Et en fait, Morrison s'occupe des origines. Et Superman, en fait, le titre Superman se passe en grosso modo 5 ans après les origines. Donc ça veut dire, en gros, c'est justement quand il commence à devenir connu et. Il est déjà connu dans le titre, il est déjà connu, mais en fait, le scénario a pas d'intérêt, quoi. C'est plat pour l'instant ou c'est plat. J'ai tenu les 11 numéros. Ça a été une souffrance de lire ça, quoi, de voir le personnage de Superman massacré. C'est simple. D'accord, je vois que t'es assez justement. Ça représente très bien ce qu'a été le reboot. C'est en fait, t'as vraiment des gros titres, puis niveau, et t'en as d'autres, vraiment la qualité est plus que médiocre, en fait. D'accord, donc en fait, ça dépend comment on voit le reboot. C'est-à-dire que des fois, ça peut être une bonne idée pour faire revivre le personnage, et des fois, ça peut être carrément. C'est vrai. Par exemple, ils ont fait une seconde vague à partir de mai. Et ils ont commencé à faire la Terre parallèle, donc qui se nomme l'univers parallèle, évidemment. Ouais, c'est un des points particuliers. Et ce titre-là est vraiment excellent. Ils ont revu les origines, ils ont revu les designs des personnages, et ils en sont à 5 numéros maintenant, je crois. Et c'est vraiment une grosse réussite. Je prends mon pied à chaque fois que je le lis, en fait. D'accord, et ces terres parallèles avec les différents super-héros dans les terres parallèles ? Ouais, je vais éviter de spoiler quand même, mais pour faire simple, tu as dans la terre parallèle, tu as Hawkgirl, tu as un Flash, donc différent de la en gros, entre guillemets, de la première terre. D'accord. Ils ont évoqué le Docteur Fate, et après, ils ont évoqué aussi Batman, Superman, mais bon. Je vais pas spoiler parce que je vais éviter de spoiler. Je peux comprendre vu que c'est pas encore sorti en France, ouais. C'est ça. Ouais. Il y a combien de différences en fait entre un comics qui est sorti aux États-Unis et un comics qui est sorti en France? Il y a combien de différences de mois? Grosso modo, je dirais, à titre d'exemple, donc tu avais Batman, le reboot de Batman qui avait commencé en septembre aux USA. Ils ont commencé à éditer le reboot en VF courant mai-juin. Tu as à peu près 4 à 6 mois. Donc, il y a 3 mois ou 4 mois, quoi. Ouais, voilà, en gros. Donc, ça fait quand même pas mal d'écart. Ça fait 9 mois, quoi, quasiment. Ça fait quasiment 9 mois. Ouais, ça fait quand même pas mal d'écart. Ça fait quand même beaucoup, surtout qu'en fait, c'est le principe de l'attente de l'Europe par rapport aux Américains, parce qu'il y a toujours des différences, en fait. Ouais, et sachant, après, tu as toujours les mêmes risques. Hein, tu as les risques de spoil, de pas vouloir attendre. Donc c'est comme dans les mangas, hein, c'est exactement pareil. C'est la même chose. Sachant que, moi, la publication française n'est pas top, quoi. La manière dont ils publient les comics. Ah oui, parce que c'est un peu différent. Il n'y a pas de distributeur attribué à chaque. Si, tu as pour Marvel, tu as Panini Comics. Panini, ouais, des Panini cartes, ouais. Comme les cartes. Ouais, c'est le même groupe, en fait. Et récemment, donc Urban Comics. Donc d'accord. C'est pour DC. En fait, Urban, c'est une filiale de Delcourt. Delcourt, ouais, je vois. C'est je vois pour ce les BD. C'est pour les BD. Et en fait, même l'année dernière, les droits de DC Comics étaient encore à Panini Comics. Et Panini, en fait, a perdu les droits et du coup, Delcourt les a rachetés. D'ailleurs, en parlant de comics, il me semble bien que justement, pour aller dans un autre comics que j'ai remarqué il y a peu de temps, apparemment Sonic de Hedgehog qui a fait Sonic Comics, apparemment vient de sortir en France il y a quelques mois chez Delcourt justement. Ah, c'est possible, je sais pas. Avec le tout. Premier. Alors, est-ce que c'est un reboot? Est-ce que c'est justement je sais pas parce que j'ai le premier tome avec moi, enfin le premier tome chez moi, et pour l'avoir regardé justement, il y a quand même beaucoup. Je sais que c'est un comics d'origine parce qu'il y a quand même des différences qui sont bien particulière par rapport à la BD franco-belge. Et justement, je me demande, est-ce que c'est le Sonic Comics qui était il y a quelques années ou alors c'est un reboot de cette série-là? C'est édité chez DC, c'est ça? C'est édité chez Delcourt en ce moment. Delcourt, en France. Ouais, honnêtement, je sais pas du tout. Je savais même pas que Sonic était. Parce que ça m'a. En fait, ça m'a. C'est juste possible, de toute manière. Il y a marqué quand tu m'as dit qu'il y avait Delcourt et Delcourt, ça m'a fait tout de suite penser à ça. À titre d'exemple, il me semble qu'aux USA, ils ont quand même rebooté les Tortues Ninja en comics, il me semble. Waouh. Personnellement, j'ai pas lu ça, mais je sais que les Tortues Ninja sont en comics en vente en France aussi. Ouais, je sais. Et au niveau de Marvel, en fait, c'est qui maintenant Marvel qui le distribue? C'est toujours Panini. C'est toujours. Ils s'occupent de tout en fait. Hein, c'est. Ouais.
Et il y a quand même une grosse différence. Mais alors, la publication de Marvel, je sais pas trop. Quoique, ils ont. Ah oui, une petite info pour certains si certains ne le savent pas. Donc, il me semble qu'il y a eu un gros événement aux USA là, qui a commencé début été, je crois, début mai-juin. D'accord. C'était Avengers vs X-Men. Wow. Et donc Panini a annoncé la publication en VF courant janvier. Ouais, ça laisse du temps quoi. Courant janvier. Ouais, ouais. Et apparemment tout ça pour la traduction anglais-français. Ouais, mais bon, en même temps, il y a tellement de comics et tout ça que il faut qu'ils gardent en fait une marge de. Il faut qu'ils gardent quand même un certain écart par rapport à la publication originale. D'accord. Parce que c'est quand même du mensuel pour tous les titres d'ailleurs. Tous les titres de comics c'est du mensuel. Donc, d'accord. Donc bon, et sinon, une autre info pour ceux qui ne savent pas peut-être, DC Comics a aussi, pour vraiment faire un coup bien commercial, a commencé à éditer le préquel de Watchmen. Ouais, je vois. Watchmen, c'est quand, faut quand même le dire, c'est quand même un chef-d'œuvre du genre. Et donc, DC Comics a lancé plusieurs titres en rapport avec Watchmen qui fait guise de préquel. J'en aurai l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, le titre est en pleine publication. Donc là, pour certains titres, c'est au numéro 3 sur 6. Donc pour l'instant, je peux pas trop avoir une vision d'ensemble, mais j'en reparlerai. Et donc, apparemment, c'est vraiment un succès commercial. Après, d'après ce que j'ai pu commencer à lire, c'est sympa, c'est fun, mais ça apporte, je pense, sur certains pas mal de titres, ça apporte pas grand-chose par rapport au comics original. Mais ça reste fun, t'as quand même des bonnes équipes notamment. Ça permet d'avoir des bonnes informations complémentaires sur la suite du manga, sur la suite du comics. Par exemple, tu as le comics Silk Spectre, donc Spectre Soyeux en VF, qui est vraiment vachement bien réussi. En fait, c'est vraiment l'un des titres que je préfère. Après, tu as Comédien, je suis un peu plus réservé malgré le scénariste, donc c'est Azzarello. Azzarello est connu vraiment pour ses scénarios dantesques. Il a par exemple fait Joker. Ah oui, quand même. Joker qui était excellent. Et après, j'ai pas tous les noms qui me reviennent en tête, il y en a pas mal, mais. Il a fait des bons trucs, mais il a fait aussi des mauvais trucs, c'est ça ? Azzarello ? Ouais. Non, globalement, non, il a fait quand même des super bons trucs, quoi. Et par exemple, pour Rorschach, tu as une équipe de choc. Donc c'est Azzarello et un dessinateur qui est Lee Bermejo, je crois. Donc ça, c'est de la grosse tuerie, quoi. Niveau dessin, c'est énorme. Scénario, après, c'est pareil. Mais bon, c'est Rorschach, donc Rorschach est quand même... c'est quand même l'un des meilleurs personnages de comics. Donc, voilà. D'accord, d'accord. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour de... Ouais, bah, d'un point de vue général, ouais, les grosses actus, c'est à peu près ça, quoi. Bon, après, tu as toujours, par rapport aux adaptations comics, au cinéma, séries télé... D'accord, mais ça on en parlera, je pense. Ouais, je sais pas si on a le temps. Une bonne année pour tout expliquer. Ah ouais, il y a plein de trucs à dire. Il y a plein de choses à dire. C'est clair. Et ça va être très intéressant en tout cas de rester avec toi. Ouais, ouais. On va passer une petite pause musicale. On va passer une petite musique venant du groupe Artificial Fear, qui est une reprise en fait de Legend of Zelda, et pour être plus exact, de Legend of Zelda Ocarina of Time. Il s'agit du Song of Time, donc vous savez, le fameux moulin avec la musique qui vous entraîne dans les vents et dans les tempêtes et tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira, et on se retrouve juste après pour la suite de La Taverne des Geeks.
Et c'était donc le groupe Artificial Fear et la reprise de Song of Storm de Legend of Zelda Ocarina of Time. T'as bien aimé ? Oh ouais, ça va, ouais, c'est sympa. C'est un très bon groupe Artificial Fear, franchement, c'est un truc justement qui est très bon, de très bonnes reprises de métal, donc enfin très bonnes reprises métal, jeux vidéo, et etc, etc. Ils font quand même des très bonnes choses. Notamment par exemple le Song of Feeling que j'adore particulièrement, qui est une musique qui est très triste, mais que justement la version d'Artificial Fear est vraiment très bien faite. Voilà, c'est juste pour vous dire ça parce que c'est vraiment très bien fait et je pourrais mieux le dire une troisième fois que zéro fois au moins, ça c'est clair. Alors on va parler un petit peu de jeu de rôle et pour être plus exact d'une convention qui s'est déroulée ce week-end dernier, puisqu'il y a une convention qui s'est déroulée à Merville-Franceville dans le Calvados. Donc c'est une convention qui s'appelle Sea Dragon. Est-ce que tu connais le nom ou pas ? Non, pas du tout, non. Alors c'est une convention de fantasy et de rôliste en fait, de jeux de rôle, qui se déroule à Merville-Franceville, donc dans le Calvados. C'est pas très loin de pas très loin de Deauville et pas très loin d'Oulgat, si vous voyez à peu près où c'est au niveau de la géographie. Et justement, c'était donc ce week-end. Et il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de Rennais qui sont venus à cet événement, puisque justement, il y a eu des très bons retours de Rennais au niveau des rôlistes Rennais, au niveau de ce festival. Alors ce festival, justement, il y a beaucoup d'éléments. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été salués, notamment par exemple les jeux de rôle. Il y a eu beaucoup de références aux jeux de rôle avec notamment... beaucoup de maîtres du jeu qui étaient présents pour jouer à leurs jeux fétiches, etc., etc. Donc quand même beaucoup de références aux jeux de rôle. Il y avait aussi le Troll Ball qui est un Trollball. Alors Troll Ball, tu connais pas trop? Ah non, pas alors, du tout. C'est non. En fait alors c'est un sport assez brutal, enfin brutal dans le sens le où, mot troll déjà. Voilà, déjà t'as un mot troll, donc c'est à dire que c'est en fait c'est une tête de troll. Bourrin, quoi. Alors comment dire, ouais, ça ressemble un peu au rugby. D'accord. C'est le rugby, mais version release, donc il y a quand même des différences particulières. Et la balle, c'est une tête de troll. Voilà. Je fais ça en speed, mais je pense que bientôt on inviterait quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi pour parler du troll ball, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est assez intéressant, en tout cas pour ceux qui aiment justement l'univers release, ça peut être très très intéressant. Justement, d'autres choses, il y a aussi. Les courts-métrages, en fait, il y a aussi des courts-métrages médiévaux pour la plupart, en fait, médiévaux ou grands dans la nature, qui sont diffusés lors de cette convention. Il y a aussi de tirs à l'arc et d'autres choses aussi réussissantes. Et surtout, il y a eu un groupe qui est déjà passé à une maison d'université l'année dernière. L'année dernière, si vous vous rappelez bien, il y avait une soirée spéciale rock'n'roll, qui s'est déroulé en octobre de l'année dernière, donc en 2011, et c'était le groupe Null Band. Je pense que tu connais deux noms par contre celui-ci. Ouais, c'est par rapport au donjon de Null. Donjon Null Band. J'arrive ouais. Jamais à le prononcer exactement. Correctement. Donc, Il n'y a pas de souci. Donc oui, c'est bien par rapport au donjon de Null Band, justement. Il y a eu beaucoup de plaisir à voir ce groupe encore continuer. Je crois que ça fait 10 ans qu'ils sont sur les routes, hein, et ils font quand même de très bonnes choses. En tout cas, pour les avoir vus en partie à Rouen, je peux vous dire que franchement, ça envoie du pâté, pour dire une expression assez familière. Et on va aussi expliquer maintenant, là je vous ai expliqué à peu près ce que c'était que Sea Dragon, justement, pour qui s'est passé ce week-end dernier, mais je vous ai expliqué ce que c'est que le jeu de rôle. Alors jeu de rôle, tu penses que tu sais à peu près ce que c'est ? Ouais. Est-ce que tu comptes dans les jeux, enfin les jeux de plateau, certains jeux de plateau qui sont comme des jeux de rôle ? Tu parles de Warhammer par exemple, de Donjons et Dragons ? Ouais, par exemple, ouais. Oui, alors, oui et non, c'est-à-dire que le jeu de rôle, il y a vraiment un personnage... Un personnage que tu incarnes qui est vraiment ton personnage fétiche avec tes armes, ton stuff. Quand on dit stuff, c'est-à-dire ton équipement ouais. etc. Tes pouvoirs magiques, mystiques, etc. Okay. D'autres choses comme ça. Alors, pour moi, pour moi, les jeux de plateau, ça fait pas partie des jeux de rôle en fait. C'est-à-dire que les jeux de rôle sont vraiment. On joue un rôle, c'est le principe du... C'est-à-dire, c'est très simple, on va dire, là, tu viens de dire une grosse bêtise, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, le jeu de rôle, sérieusement, c'est on joue un rôle et on joue jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a des dés, on jette des dés, on essaie de faire le maximum pour que les résultats des dés soient le plus favorable pour nous, et on doit réussir à finir le scénario que nous donne le maître du jeu, tout en essayant de pas le pourrir, même si la majorité des gens le font. Juste pour rire. D'accord. Non mais c'est vrai. Ouais, bah comme dans tous les jeux. Pour être maître du jeu moi-même sur un jeu qui s'appelle Luchadores.
Alors, je vous expliquais, un petit peu plus tard ce que c'est que ce jeu. Justement, le jeu, il doit être tranquille, il doit se dire, il doit donner une envie aux autres de jouer. C'est-à-dire que, justement, si tu n'as pas l'ambiance qui va avec le jeu, tu risques d'avoir des petits soucis des fois avec certaines personnes qui aiment bien que justement le roleplay soit bien respecté. Ouais, ça, c'est pas un peu rôle de modérateur, quelque chose comme ça. Non, c'est différent de ça, c'est encore différent. D'accord. C'est encore différent, et puis surtout qu'il y a quand même des différences bien particulières au niveau du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différents jeux de rôle, il y a des jeux de rôle plus dans le RP principal médiéval, c'est-à-dire un peu comme Donjons et Dragons, ouais. Ou alors Wasteland, mais c'est un peu plus post-apo, c'est un médiéval post-apo. Après, tu as le donjon de Nullbuck qui est un peu délire, etc., etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en rapport avec ça. Il y a l'enquête, et l'enquête est plus connue pour Cops, qui est justement le JDR de référence sur l'enquête particulière, surtout sur l'enquête policière. Donc beaucoup de références à la police, notamment à la police de San Francisco et de Los Angeles, donc au niveau de la Californie. Après, il y a des ovnis. Et non, mais c'est vraiment des ovnis, c'est-à-dire des mélanges enquêtes, mystiques, etc. Comme Lucha Dores, c'est un peu le mélange. D'accord. T'as quand même le mélange de mystique parce que tu as des enquêtes, mais tu dois battre des monstres, donc ça fait mélange. Tu dois enquêter sur des choses, mais il y a des monstres qui vont t'embêter, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments particuliers. Et puis le jeu de rôle, c'est aussi une phrase particulière, c'est ta gueule, c'est magique. c'est une phrase quand même qui est assez le fameux TGCM. C'est-à-dire en fait, quand c'est souvent pour les MJ qui ont des soucis avec avec les personnages, je dis ah non, tu vas là. Et non, mais c'est pas normal. Bah oui, mais voilà. TGCM, tout simplement, faut pas chercher. Et c'est vrai que ça peut être ennuyant des fois pour les personnes, mais voilà, c'est vraiment du plaisir à l'état pur, des bonnes choses à partager et à aimer. Donc vraiment très bonne chose à voir. Et puis de toute façon, je pense que bientôt on aura peut-être un collègue jeu de rôliste qui viendra nous parler justement de plusieurs choses. D'ailleurs, en parlant de jeu de rôle, il y a un élément bientôt qui va bientôt se dérouler à la Maison d'Université. C'est une kermesse organisée par l'association des rôlistes rouennais, donc l'association rôliste du coin. C'est une kermesse qui se déroulera le samedi 6 ou 4 octobre, je ne sais plus. Il me semble que c'est le 4 octobre, excusez-moi, il me semble que c'est le 4 octobre. Ça n'est 4 octobre toute la journée. Il y aura beaucoup de jeux de rôle, jeux de société, etc., etc. Même si ce sera plus une kermesse, donc ce sera des petits mini-jeux et puis aussi des petits mini-jeux en rapport avec les jeux de rôle, jeux de société et tout ce qui est en rapport dans ce genre-là. Et ça va être très intéressant, ça va être toute la journée à la Maison d'Université. Et c'est ouvert le samedi pour une fois à la Maison d'Université, puisque normalement le samedi c'est un peu compliqué pour s'ouvrir. Donc voilà. Et puis également. jeu de rôle aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de l'héroliste rouennais. Alors si vous ne connaissez pas l'héroliste rouennais, je vous donne l'adresse. C'est www.les-rouennais.com. Donc voilà, vous cherchez ça sur, ou pire, vous cherchez les rôlistes rouennais sur Google, vous trouvez facilement le site des rôlistes rouennais qui est assez complet, qui permet à tout néophyte du jeu de rôle à bien s'entraîner en tout cas sur ce domaine-là. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour également de ce projet-là. Et puis on va passer une petite musique et je vous propose un petit remix 8 bits, puisqu'on a vu un petit remix 8 bits tout à l'heure, et on va passer à un autre remix 8 bits. Qui est un remix 8 bits de Phoenix Wright, encore, oui, parce que c'est quand même un des jeux que j'adore, parce qu'il y a quand même beaucoup de références. Et on va passer Investigation Cornerhead, en fait, c'est en rapport avec l'investigation du jeu Phoenix Wright, en tout cas des premiers Phoenix Wright. Donc on se retrouve juste après pour la suite, la partie YouTube. Thank you.
c'était le remix de Phoenix Wright Investigation Cornered en 8 bits, donc de Phoenix Wright Ace Attorney, sorti sur Nintendo DS en 2005. Voilà. Donc tu connais un petit peu Phoenix Wright, ça te dit quelque chose de loin ? Non, pas du tout, non, je suis pas trop... C'est un jeu de simulation d'avocat sorti en 2005 et après en 2006, en 2007 pour les deux jeux maintenant suivants. Maintenant que tu le dis, j'en ai peut-être entendu parler, ouais. Bah, c'est souvent connu pour un mot objection, le mot objection qui est quand même un mot hyper important dans ce jeu-là. Et bon, on expliquera je pense dans une autre émission justement ce que c'est que Phoenix Wright, je pense que ça mériterait quand même le détour. Je pense qu'on va passer à l'interview YouTube. Et il s'agit d'une interview avec un YouTuber que vous connaissez peut-être, qui est fondateur de la guilde. Il s'agit de Baltou. Et on se retrouve juste après ça pour la fin de cette émission. Et oui, vous êtes bien sûr sur la Taverne des Geeks, l'émission Geek de R2R, le mardi de 18 à 19h. Et je suis avec un youtubeur qui maintenant commence à se faire connaître, notamment pour ses activités donc YouTube, et pour faire connaître aussi des jeunes youtubeurs. Il s'agit de Baltou. Bonjour à toi. Ben, salut Alexis. Ouais, tu me connais depuis longtemps, puisque tu étais ancien étudiant rouennais. Donc maintenant tu es youtubeur, notamment au niveau de la guilde. Alors justement, on se demande ce que c'est que la guilde, parce que c'est un truc qui est assez récent d'ailleurs, c'est sorti il y a quelques mois de cela, et on voulait savoir exactement en quoi ça consiste et pourquoi tu l'as créé. Ouais, alors oui, donc maintenant je suis quasiment youtubeur à plein temps, et j'ai fondé ce qui s'appelle la guilde. Donc c'est un petit peu comme Pas Press Start Button, que vous pouvez peut-être connaître, mais c'est un petit peu le même but, c'est-à-dire que je rassemble des chaînes. C'est le seul truc en rapport en fait. Et, donc, tu rassembles des chaînes, oui. J'essaie donc... de faire découvrir plein de petites chaînes sur YouTube qui ont beaucoup de talent et qui n'arrivent pas à se faire connaître malheureusement, parce qu'aujourd'hui sur YouTube, le drame c'est que... Il y a des gros youtubeurs, c'est ça ? C'est un problème de visibilité ? Ouais, voilà, c'est difficile de se faire connaître dans cette masse. Et du coup, bah, tous les dimanches, en fait, j'anime un zapping dans lequel je fais une petite sélection des chaînes qui m'ont plu dans la semaine. Et puis, bah, j'essaye de faire gagner un maximum d'abonnés aux personnes qui passent dedans, voilà. D'accord, je vois la chose. Et puis justement, en parlant de la guilde, justement, il y a eu plusieurs zappings. On est à 20, je crois, c'est ça ? Ouais, ce sera le 20e dimanche. Et justement, donc dimanche, c'est-à-dire c'était passé il y a quelques jours de cela. Et justement, comment c'était venu l'idée en fait vraiment de faire des vidéos sur YouTube ? Vraiment, est-ce que ça t'a donné... qu'est-ce qui t'a donné envie, on va dire ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé, c'était il y a 4 mois en fait. M'a donné l'envie, c'est que j'ai découvert l'univers de YouTube à cette époque-là, le let's play et autres, et tout ce qui va autour. Je connaissais pas Fanta et Bob, je connaissais personne, et j'ai vu qu'il y avait plein de gens en fait qui faisaient tout plein de vidéos, et puis on m'a dit qu'il y avait une quinzaine, vingtaine de personnes hyper connues, et je me suis dit bah c'est un peu dégueulasse qu'il y a des gens qui soient super talentueux qui arrivent pas à percer par rapport à lui qui est hyper connu, et je vois pas ce qu'il fait de bien quoi. Et je me suis dit bah je vais essayer d'user de mes talents d'orateur, si j'en ai. Tu en as, je pense, il n'y a pas de souci sur ça. Pour essayer de mettre des personnes en avant, et puis bah, depuis, ça fait son petit bonhomme de chemin, ça commence à vraiment avancer, surtout que tu es bientôt à 2000 abonnés sur ta chaîne, si je ne me trompe pas, ou tu l'as déjà dépassé, il y a peu de temps. Ouais, bientôt, mais pas encore. C'est pas énorme, hein. c'est vraiment rien. Bah, c'est quand même pas mal, 2000 abonnés en 4 mois. Il y a une chaîne qui a encore mieux amélioré, c'était Franck Connection, mais bon, ça c'est aussi différent puisque Franck Guillaume, qui est ancien chroniqueur de jeuxvideo.com, est arrivé sur YouTube et maintenant fait des vidéos, on va dire, je sais pas comment expliquer ça, une émission spéciale, c'est ça qu'on appelle, un truc comme ça. Je préfère pas en parler parce que vu que j'ai animé une émission qui s'appelle Génération Geek qui est presque pareil.
Je sais bien, il n'y a pas de souci, non, mais c'est juste pour dire que, bon, à part les petits phénomènes qui peuvent exister et tout ça, pour 2000 abonnés en 4 mois, c'est vraiment pas mal, c'est 500 abonnés par mois quand même. C'est-à-dire que 500 personnes qui te suivent tous les mois, enfin, qui t'ont suivi au fil du temps, chaque mois, quoi. C'est quand même un truc assez fulgurant, je trouve. Ouais, et c'est, en fait, c'est une croissance exponentielle parce que ça avait un petit peu de mal au début. Enfin, un petit peu de mal, non, même pas, parce que j'ai dépassé beaucoup de personnes en peu de temps. Et là, le mois qui est passé, il y en a eu. Ouais. Ouais, non, c'est ça, en fait. c'est ça. Mais disons que c'est. Si on fait sur l'ensemble, ouais, ça fait 500 par mois. Mais sinon, c'était plutôt 100 au début, 150 le mois d'après. Et là, j'ai fait 300-400 en 3 semaines, un truc comme ça. D'accord. Et justement, donc, j'imagine que tu es geek également, puisque quand même, faut quand même être geek pour être sur YouTube. Enfin, en tout cas, je pense que la majorité des let's players et tout ce qui est au niveau de jeux vidéo ont au moins une petite carrière geek obligatoirement avec eux. Et je voulais savoir sur quel univers geek tu te présentes. Je sais que tu es fan de comics, notamment des DC Comics, si je me trompe pas. Justement, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, savoir quelles sont tes passions geek en plus de celles de faire des vidéos sur YouTube? Alors, le principe du geek, c'est qu'il se passionne pour beaucoup de choses, donc, en fait, je suis un peu attiré par tout ce qui existe. J'aime beaucoup les comics, c'est vrai. J'ai été bercé par Batman et ça m'a pas lâché depuis, en fait. C'est toujours mon héros. C'est d'ailleurs un de tes personnages fétiches, je crois. Même si ça fait un peu gamin, peut-être, je sais pas. Mais non, voilà. Batman, c'est un personnage, c'est un super-héros, quoi. C'est vraiment l'époque des super-héros d'ici, c'est quand même pas. C'est pas mauvais, quoi. Batman, c'est Batman. J'ai 21 ans et je suis toujours fan de Batman. J'ai des t-shirts Batman, enfin. Comme un geek, quoi. Et puis, je suis très fan de la BD franco-belge aussi. Avec Manu Larsonnet, que j'ai découvert à Sonambule d'ailleurs, petit coucou à eux. D'ailleurs, oui, qui est toujours à l'association rouennaise de médiathèque. Donc Manu Larsonnet, Trondheim, tous ces grands dessinateurs en fait français. J'ai plein de passions, le jeu vidéo. Je fais que ça de mes journées en fait. Donc tu fais vraiment que ça. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment, tu joues surtout à LOL, je crois, c'est un truc comme ça. Oui, je joue beaucoup à League of Legends. J'ai commencé il y a 4 mois et je suis arrivé au niveau 30. Hein, voilà. Mais là, en fait, on m'a offert Guild Wars 2 et. Tu vas t'y mettre, tu vas t'y mettre, je pense, assez sérieusement, je pense, tout à fait. Oui, je suis niveau 20 en 2 jours. Donc. Justement, ouais. Revenons aux jeux vidéo. Quels sont les jeux vidéo qui t'ont marqué réellement? Si t'as vraiment des jeux vidéo qui t'ont marqué, donne-moi un top 3 ou un top 5, des jeux qui t'ont le plus marqué dans ta vie de gamer ou dans ta vie en tout cas actuelle. Ouais, en tout cas. C'est pas évident. Hein. De toutes les générations. Ouais, je dirais que ce sera pas un top 3 où je dirais il y a le premier, le deuxième et le troisième, mais trois jeux qui m'ont vraiment marqué dans ma vie. Le premier c'était Sonic. Ah, évidemment. On va dire que je suis né avec lui, donc voilà. C'était mon premier jeu et j'ai fait brûler la cassette tellement j'y ai joué. T'as fait brûler la cassette? Presque, oui. C'est-à-dire, tu peux nous expliquer un petit peu? J'avais ma Mega Drive qui était toute neuve avec Sonic qui était tout neuf et j'y ai joué tous les jours pendant des heures et voilà, à un tel point que au bout d'un moment la cassette a plus répondu, quoi. D'accord, je vois. Ah ouais, c'est vraiment un hardcore gamer là, c'est clair. Surtout une cartouche à l'époque, fallait quand même le faire. C'est dit que je me fais en speedrun sans glitch. Hein. Ah oui, quand même. Non, j'exagère, mais ouais. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais te dire? Il y a Final Fantasy 9. Ah, Final Fantasy. Pourtant, c'est plutôt le 7 qui est plus connu sur le niveau des Final Fantasy en tout cas. Bah ouais, mais le premier auquel j'ai joué c'était le 9 et j'ai fini le jeu 4 fois, donc c'est vraiment celui-là qui m'a le plus plu, même après avoir fait le 7, 8 et même le 6 d'ailleurs qui est énorme, non, et le 4, enfin, en fait ils le sont tous hein, sauf le 13 évidemment. D'ailleurs il y a un ami à nous qui est fan du 13 je crois. Oui, on lui dit bonjour. Linkanor s'il nous entend. Bonjour à toi. C'est vraiment FF9, ne serait-ce que pour les persos, enfin Jidan et Bibi surtout, et puis, enfin voilà, je vais pas raconter toute l'histoire, mais enfin, moi je le trouve absolument génial. D'accord. Et le troisième jeu? Alors le troisième jeu,
c'est pas facile. Attends, je vais regarder ce que j'ai sur Steam parce que j'ai pas été marqué pour par beaucoup de du Minecraft peut-être aussi, peut-être. Pardon? Minecraft, non? Ah non, 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 non. Non. Non, non, Minecraft c'est un jeu bac à sable et c'est quand même un bon jeu. Hein, ça. Oui, enfin, il n'y a pas un gros scénario quoi. Oui, c'est pas fait pour, je crois. Non, je dirais que oui, voilà, bah voilà, Steam, le premier jeu c'est Portal 2. Voilà. Portal 2, donc la série des Portals. Très clairement, c'est le dernier jeu qui m'a le plus marqué, c'est celui-ci. Il y a un univers qui est hallucinant et un scénario qui est juste génial. Et, enfin, voilà. C'est hyper attachant comme jeu, je trouve. D'accord. On va passer à des petites questions, justement, un petit peu un choix ou un choix. Je vais te laisser un choix ou un choix, quelques questions comme ça. Alors la première, c'est Soul Calibur ou Tekken ? Tekken. Tekken, pourquoi ? Parce que j'ai seulement joué à Tekken étant gosse. J'ai découvert que Soul Calibur sur le tard et j'ai pas tellement accroché. Moi je veux un jeu de baston pour de la baston et pas forcément avoir des épées ou des trucs comme ça. D'accord. Voilà. Ouais, y a Tekken. Pas de soucis. D'accord, je vois la chose. Jeu de rôle papier ou MMORPG ? C'est pas facile parce que. C'est fait pour. J'ai découvert le jeu de rôle papier il y a que un an et demi. Mais j'ai beaucoup accroché. D'ailleurs, dès qu'on fait une réflexion sur un truc que je raconte, enfin, je peux pas m'empêcher de dire ta gueule, c'est magique. Normal. La grande phrase du jeu de rôle, en tout cas. Mais je dirais quand même plutôt MMORPG. Quand j'avais entre 12 et 15 ans, j'ai rodé Dofus comme un porc. Moi aussi, j'y ai joué, malheureusement. Et puis, voilà, après il y a eu Guild Wars, puis World of Warcraft, j'ai pas trop joué, mais là il y a Guild Wars 2, donc clairement la tendance en ce moment c'est MMORPG. D'accord. Grandeur nature ou jeu en ligne réellement? C'est-à-dire plutôt jeu en ligne ou grandeur nature? Je dirais jeu en ligne parce que c'est ce que je pratique le plus. Mais le GN, c'est quelque chose que j'admire énormément et les reconstitutions aussi, j'adore ça. Donc, disons, je me lasse pas de regarder certaines vidéos où il y a des gens qui font du GN. Et même dans des séries, hein, quand c'est fictif, je pense à Noob. Ouais, Noob, une web série, en effet. Voilà, auquel j'ai pu assister au tournage. Voilà, quoi, c'est juste génial. Mais moi, je pratique surtout le jeu en ligne. D'accord. Eh bien, on arrive déjà à la fin de cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire avant de nous quitter ? Eh bien, je vais juste passer un coucou à toutes les personnes qui sont à Rouen et qui me reconnaîtront. Je pense qu'il y en a beaucoup qui te reconnaîtront, en tout cas, sur Laser. Je sais pas. C'est le mec qui foutait le bordel en musicologie et dans les menus. voilà, un coucou à tout le monde, toutes les assos, Fakir, Sonambule, j'en passe des meilleurs, hein. La boîte à bière. Ouais, j'imagine d'ailleurs un jour peut-être que tu reviendras à Rouen pour dire un petit bonjour, peut-être. Je reviens mi-octobre et je compte bien retourner. T'amuser un petit peu, je comprends ça. Et au niveau de YouTube, t'as des personnes à remercier, je sais pas, des. Et au niveau de YouTube, je vais vous citer plein de noms qui vous diront sûrement rien. Je vais saluer Denoir qui est de Rouen, enfin Mont-Saint-Aignan en fait, et que personne ne connaît là-bas. Que personnellement je connais, mais oui. Oui, oui, évidemment. Je vais citer évidemment tous les membres de ce qu'on appelle la guilde. Je vais citer Easy, ZZ, Atto de Rive, Elarcis, tous mes copains, quoi, Nio, et puis Punky aussi de Postal Button. Voilà. D'accord. Eh ben, je te remercie d'avoir participé à cette interview, et puis on peut voir ce que ça va penser, ce que ça va faire pour la guilde en tout cas. On va faire le maximum pour que ça marche bien en tout cas. C'est moi qui te remercie, ça fait plaisir de revoir un petit contact avec R2R, pour qui j'ai travaillé d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Et puis on se retrouve bientôt, peut-être une autre interview un jour, hein. Peut-être si tu as envie de parler d'un autre projet, d'un autre truc, ou des chroniques que tu as à faire, il n'y a pas de souci, tu peux venir, il n'y a aucun souci. Et ben pourquoi pas, et je viendrai foutre le bordel quand je reviendrai sur Rouen. Voilà, aucun souci. Donc voilà, c'était Guillaume alias Baltou pour la Taverne des Geeks. We'll be right back.
Et c'était l'interview de Baltou, fondateur de la guilde, donc réalisée il y a quelques jours sur ici au studio. Donc depuis, Baltou a dépassé les 2000 abonnés sur sa chaîne, donc qui s'appelle youtube.com. Ben, c'est, alors je vous donne l'adresse, c'est www.youtube.com/user/xlaguildex. Donc 2000 abonnés sur sa chaîne, on le remercie pour avoir accepté cette interview. Et puis on est bientôt à la fin déjà. C'est rapide, une heure. Ouais. Excuse-moi, on a t'as mal entendu. Non, j'étais venu te passer un petit coucou pour ta première émission de la Taverne des Guildes. Hein, donc. La Taverne des Geeks. Des Geeks, oh pardon. Et donc, merci à Christophe d'être venu. Et puis voilà, j'espère que vous aimerez mon émission, qu'on aimera participer à la vie des geeks à Rouen, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à Rouen qui sont très intéressants pour les geeks et on va pouvoir en parler pendant un an. Donc, toutes les deux semaines, le mardi de 18 à 19. Hein. J'espère que cette émission vous aura plu. On pourra la retrouver sur R2R, sur le site R2R, voilà, et sur les podcasts. Possiblement sur ma chaîne YouTube TGS116 Productions, que vous pouvez trouver sur YouTube assez rapidement. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. On dit un petit truc avant de partir. Bah si, tu peux annoncer le concert du 9 octobre à la MDU, pour sponsorisé par R2R pour Ibra Yakar et Makassiway. Exactement, exactement. Qui est gratuit pour les étudiants et 5€ pour les non-étudiants. Exactement. Et puis. Et c'était la fin de notre première rediffusion de la Terre des Geeks diffusée le mardi 18 septembre dernier. Si vous voulez la revoir, vous pouvez la revoir sur R2R, qui sera normalement jeudi à 14h, mais vous pourrez aussi la voir sur ma chaîne à partir de ce soir. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour la suite de mes aventures, que ce soit sur YouTube ou encore sur R2R. C'était Jeff, stay tuned.